Hello les gus, c'est dimanche, c'est Véronaville et aujourd'hui on va aller chez les caps. Pas chez vous non. Ah, voilà nos beaux caps. Guillermo Junior aimerait aller à l'université pour le moment. Il lui reste 6 jours avant de devenir adulte, donc si dans 2-3 jours il a toujours cette envie, on lui emmènera là-bas. Lui il avait pécho personne, hein. Célibataire, c'est vieux. Ah oui, c'est qu'elle, elle voulait un enfant et on avait dit qu'on allait en adopter un quand Guillermo allait quitter le nid. Wow. Ok, donc on va essayer de lui arriver au niveau 10 cette fois-ci. Quelqu'un a reçu un héritage? Mais allemand de constater qu'elle pense à d'autres personnes à qui vous ne pensez jamais peuvent pas repenser à vous. Guillermo, vous êtes réveillé. Bah écoutez, il te faut un point de créativité, donc on va aller continuer le tableau. Elle va aller servir le petit-déj. What? Oh merde, il a travaillé. Bye bye. Non! Il était si proche, j'aurais dû pas l'envoyer. Non! Tu peux pas retrouver un emploi? Ah bah tu m'étonnes. Bon, il a besoin de vie sociale, je pense qu'on fera une sortie des mâles et on aura besoin. Oh non, c'est vraiment les seuls! Va discuter un peu avec ton fils, vu que vous êtes que les deux. Oh, il y a des adolescents. Peut-être que Guillermo pourra pécho. Peut-être tu vas aller participer au poker. Mais ça se fait la bise. Un point de charisme, un point de mécanique. Ben, c'est pas là que t'apprendras ça, mon grand. C'est bien remonté le moral. On va rentrer chez nous. Et elle est toute seule, on va se faire chier. Arrête avec ta maladie. Yo. Tu veux pas faire de la soupe de mamie? Et eux, parfait, parce qu'ils arrivent pile pour le souper. Acheter une tente? Mais pourquoi faire? J'ai amélioré un peu le jardin, j'ai bougé le jardin ici. Je mettrai une serre aussi juste là. Et j'ai installé ces dalles. Pourquoi pas une petite piscine où on verra quand on aura plus de thunes. Admission en école privée. Ah mais oui, mais c'était la famille buggée de l'école privée. Bon, vous savez quoi? On va tester une dernière fois. Hein. Musique, journalisme. Danse, y'a rien. Eh ben c'est pas grave. Peut-être qu'en fait on va devenir agriculteur et qu'on vendra nos machins. On va inviter le directeur. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon bah le saluer hein. Ils sont devenus meilleurs amis. On va voir si on peut le charmer un petit peu. Oh! Oh! Bon on va lui dire au revoir parce qu'on a le dirlo qui va venir. What? Mais ils se sont embrassés? Allez, prépare la dinde, on va faire la visite guidée. Excuse me? Oui, bah oui, bah, j'essaie de te faire visiter, mon con. Bah, il est heureux, ce dirlo, là. Et puis, divertir, inviter à dîner. Putain, pourquoi c'est des macaronis? Pourquoi c'est des macaronis? Et pourquoi il graille pas? Diantre, je ne vais pas manger ces macaronax. Pourquoi il graille pas? Pourquoi il y a Bianca Monti? Le proviseur ne pense pas qu'un enfant qui vit dans une telle famille va réussir à passer dans une école privée. Bon, il y a un bug avec le dirlo dans cette famille. Hein. Il ira à l'uni à la place. Ah, il veut retrouver du travail. Je pense que ce soir, il va faire une petite œuf pour dire au revoir à ses potes. Et il va partir à l'uni. Divertissement, politique, médecine, non. Mais il a plus d'amis, Guillermo. Ils sont tous morts. Bon, passe un petit coup de feu. Ah, c'est quoi son rêve à long terme à lui? Maîtriser cette compétence. Ah, bon, on se fait chier hein, pour le moment. Bon, lui, on a dit qu'il ferait une fête ce soir. Est-ce qu'il organiserait pas ça? Bah il les connaît du monde lui. Ah bah voilà, pouvoir parler à Carlo Monti. Tu le détestais par le passé, mais on enterre la hache de guerre. Tu n'habites plus chez nous, j'accepte ta personne. Bah ils entrent chez moi? Ou ça se passe comment? Pop. Et toi va draguer Hermano un petit peu. Vas-y, on tente le premier becco. Ils font partie de la même famille, hein, on se rappelle. Ils sont quoi d'ailleurs? Ok, donc c'est les enfants de sa cousine. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit de tromperie. Mais pourquoi ils sont tous dans mes couloirs?
Allez, ciao, ciao, cassez-vous de chez moi. Tu veux gagner un point de quoi de compétence? Bah, va faire du sport un petit peu. Et il adore le fitness. Oh là là, Jimbo. Lui, il va se trouver un travail puisque ça devient un peu impératif en fait. Jackpot! On a retrouvé dans notre carrière. Pardon, appelez les pompiers. Ils arrivent. Tu n'avais qu'un job, Guillermo! De toute façon, c'est la famille des incendies, il me semble. Ah, on est jeudi. Il va faire un petit somme et on sortira avec les mâles de nouveau. Groupe, retrouver un groupe sur Internet Community pour une sortie. J'espère qu'on ne sera pas les seuls cette fois-ci de nouveau. Vas-y, c'est pas drôle. On va dire qu'il part une petite dernière soirée avec son fils, vu que Guillermo ira à l'Uni demain. Yes, y'a mémé! Allez, tire, j'ai un petit truc à boire. Donc ton père parle à mémé. Et toi, j'aimerais bien que tu parles aussi à Mercutio. Ils sont presque amis, hein, ils s'entendent bien. Bon, on va mettre fin à la sortie. Mais on est coincé aux chiottes! J'ai préparé déjà une salle de bain parce que je sais qu'elle va adopter un bon bain. L'alcool l'a remis sur pied, je suis ravie. Toi, tu vas te casser, emménager à l'université. Mais on n'aura pas de thunes pour le bébé, il faut au moins 3000. Bye bye. J'ai enlevé un peu de terrain pour voir si ça change quelque chose. Et je pense qu'ils vont refuser. Ouais, on n'a pas les critères financiers, c'est pas grave. On peut vendre déjà les éléments dans la chambre de notre fils. Bon, on a déjà un peu plus de thunes, hein. Invité groupe pour une sortie. Et tu vas servir dessert gâteau fourré. Les girls sont là. Et direct créatable invité. Venez toutes grailler le cake. Enfin, à part toi, Bianca. Faire une bonne récolte. Oh, j'ai jamais eu ça. J'aime trop ce petit groupe de thé. Bon, on va quand même dire au revoir à tout le monde. Hein, parce qu'il se fait tard. On a les 3000 en ayant vendu la douche. Service d'adoption. Yes! J'ai fait une petite chambre pour le futur bébé. Oh, badge d'or en jardinage, trop bien. Donc l'enfant arrivera dimanche. J'avais un petit doute. Oh, promotion pour Guigui. Et vous allez vous faire un petit crac-crac, les deux. Parce que ça fait longtemps. Bon, on va récolter plusieurs. Bambin. Il est tout chauve. André Cap. Allez, va faire un câlin, André. Bye bye. Mais elle l'a vraiment posé sur le bas de la route, hein, l'assistante sociale. Elle a même pas fait gaffe qu'on soit venu le chercher, le pauvre petit. On va aller lui enseigner à faire caca. What? Peut-être pas tellement safe qu'il marche à travers ça, hein. Ouais, y a même pas de barrière. Un petit pipi et au lit. Et on est à lundi. Eh ben écoutez, c'est toujours une famille très calme, hein, mais je les aime toujours autant bien. J'irai installer le petit Guillermo à l'université. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, de liker ou même de commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et du coup, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, les gus, et à bientôt.